En fait, l'air, il rentre par là. Peut voir le jour là, comme ça. Là, c'est le côté cuve à air. Donc l'air, il est là-dedans. Et en fait, je pense que le fonctionnement, c'est que quand on appuie sur la pédale de frein, ça tire ça par là. En tirant ça, ça appuie. La grosse pièce ronde dans les tons qu'on a vu, elle va descendre et elle va appuyer sur ça et là le faire descendre. Hein. Bon là c'est dans l'autre sens, mais ça fait descendre ça et du coup je pense que ça libère un passage en dessous pour aller vers les poumons de frein avant et arrière. Par là et par là. C'est le bas de la pièce en laiton. Donc quand il descend, il appuie forcément sur cette petite pièce. Il appuie côté joint en plus. Je suis en train de remonter le mètre cylindre. J'ai mis le téflon sur le T. Téflon ici, j'ai remonté ça en premier avant de monter le mètre cylindre, sinon c'est trop dur de mettre cette durite parce que c'est exigu. Donc voilà, téflon encore ici. Ça, je le serrerai une fois que ça sera monté. Et voilà, je vais le monter. On va mettre le cylindre là. Et remonter. Et si on a quelque chose là-dedans. La durite. Là dedans. Bon, tout est remonté. Et serré. Un petit bout de chambre à air pour tenir ça. Là aussi.
aussi. Ah, faut que je serre ça aussi. Ok, je vais serrer ça.